29, Uranus va commencer sa rétrogradation en taureau au 23e degré et il va rester rétrograde jusqu'au 26 janvier 2024 à 19 degrés du taureau. Uranus est l'enfant terrible du zodiaque. C'est celui qui fait tout exploser. C'est celui qui nous permet de nous libérer, de briser nos chaînes, de revoir nos formatages mentaux. C'est celui qui ouvre les boîtes, qui voyage, qui nous autorise tous nos possibles. Uranus est très important à notre époque, d'abord parce que Pluton va rentrer aussi dans le Verseau, un signe dominé par Uranus, mais c'est aussi toutes les nouvelles technologies. C'est l'informatique et c'est aussi l'intelligence artificielle qui commence à arriver de plus en plus dans nos vies. C'est toute la société qui va être modifiée et dont la compréhension va résolument changer sous l'impulse d'Uranus. Uranus, au départ, c'est la révolution industrielle. C'est le progrès, la marche en avant. Sous des aspects plus sombres, Uranus, c'est aussi les explosions, c'est aussi tous les excès, et c'est aussi de l'instabilité. Lorsqu'Uranus arrive quelque part, il amène le pire comme le meilleur. C'est une planète, de mon point de vue, qui est incontrôlable. Dans un thème, elle peut amener des choses absolument fantastiques. De la richesse, des cadeaux, des coups de chance incroyables. Un Uranus, par exemple, autour de l'ascendant, autour du milieu du ciel, conjoint au soleil, sont les marques de fabrique d'une chance inhérente à la personne. Avec des aspects plus durs, Uranus amène des revers, des épreuves, des sentiments d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir se libérer. Est-ce que le briseur de chaînes n'est pas aussi celui qui nous les pose? Toutes ces questions sont posées par Uranus, d'autant qu'il se trouve en taureau, le secteur de la finance, le secteur de l'argent. Cette rétrogradation en taureau va donc forcément poser la question de l'argent, de la finance et des équilibres monétaires internationaux. Que va-t-il se passer dans les mois qui viennent? C'est la question que va poser Uranus. Mais au-delà de ça, le taureau aime le calme, il aime la stabilité, il aime les certitudes. Et Uranus, qui va rétrograder, n'en va faire qu'à sa tête, bien entendu. Nous allons avoir deux énergies qui s'opposent l'une l'autre et qu'il va falloir gérer dans nos thèmes de naissance pour peu que nous soyons Verseau, ascendant Verseau, Scorpion, ascendant Scorpion. Pourquoi le Scorpion? Eh bien, parce que Uranus est le troisième maître du Scorpion. Et je vous invite à regarder également si Uranus se retrouve dans une position forte, soit à l'ascendant, soit au milieu du ciel, soit en conjonction à la Lune ou en conjonction au Soleil. Dans ce cas, la rétrogradation d'Uranus va durablement vous impacter. Si vous n'appartenez pas à ces registres-là, vous serez impacté par Uranus uniquement par les configurations planétaires internationales, mais Uranus ne va pas jouer directement dans votre thème de naissance. Nous voilà très précisément au début de la rétrogradation d'Uranus. Uranus va aller bien sûr vers Jupiter, en sachant que Jupiter va amplifier ce que Uranus va signifier. Nous pourrions avoir l'inflation qui va continuer, mais aussi on pourra peut-être voir la remise en question du pétrodollar, notamment au niveau des échanges internationaux. Cela peut sembler loin de nous, et pourtant nos vies à tous pourront être impactées par ce genre de décision globale. Uranus, qui va se rapprocher de Jupiter pour former une conjonction, va venir raconter la révolte par rapport à l'ordre établi. Il y a deux blocs actuellement qui sont en train de s'affronter. L'ancien monde, le monde de l'OTAN, et un monde nouveau qui veut absolument émerger, que sont les BRICS. Les BRICS représentent 40% de la richesse mondiale actuelle. Ce n'est pas marginal. Ce n'est pas loin de nous. Cela va avoir aussi des conséquences sur notre vie à tous. Dans cette configuration, Uranus erre, vient toucher Mercure de manière positive. Il y a donc une remise en question intérieure de qu'est-ce que je dois lâcher au niveau de mes chaînes. C'est le moment idéal pour renoncer à des
à des patterns mentaux qui sont devenus obsolètes, à des certitudes qui n'ont plus lieu d'être. Mais j'ai aussi, juste avant, puisqu'on est le 29, la Lune qui est en Verseau, qui vient de se charger des énergies de Pluton, qui s'est véritablement plutonisée, qui se prépare à rentrer dans le Poisson pour la pleine Lune du 31, mais en Verseau, eh bien, elle se charge des énergies d'Uranus, qui devient rétrograde. Ça veut dire que cette rétrogradation, eh bien, elle va avoir un impact sur énormément de personnes. La Lune représentant le groupe, représentant aussi les démocraties. Il y a un aspect très positif, bien sûr, entre Uranus et Mercure. Mercure étant rétrograde, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est quelque part un jeu d'échecs entre deux forces antinomiques. Vénus qui est maîtresse du taureau, eh bien, se retrouve carré à Jupiter. Ça veut dire qu'il y a quelque part un conflit entre ce que je suis à l'intérieur de moi et les possibilités que j'ai d'exprimer ce que je suis. Avec Uranus rétrograde, les énergies vont se déployer très vite. Nous allons être amenés à faire de nouveaux choix. Et l'univers va nous pousser vers de nouveaux territoires, des nouveaux domaines de l'énergie, avec des nouvelles possibilités. Uranus est un révolutionnaire. Les changements qu'il amène sont toujours rapides, que ce soit au niveau collectif ou au niveau personnel. Regardez dans votre thème de naissance où va se passer la rétrogradation. Ça peut être assez stressant pour vous, parce que les énergies du taureau préfèrent le calme, la stabilité, la paix. Or, Uranus, qui vient bouleverser tout ça, nous oblige à retrouver de nouveaux équilibres. Il vient quelque part changer radicalement les zones de notre carte qui sont activées par le signifiant de là où se trouve la rétrogradation d'Uranus. Uranus va se concentrer sur ce qui doit être rénové, ce qui est aussi libérateur. Mais nous sommes conscients de ce que nous avons à lâcher. Uranus, dans le taureau, ne va pas nous prendre par surprise. Il y a quelque part d'une connexion entre ce que je dois bouleverser en moi et la réalité qui s'impose à moi. D'une manière plus globale, Uranus peut amener des grosses perturbations au niveau électrique, va mettre l'accent sur l'énergie. Comment est-ce que nous allons pouvoir nous chauffer l'hiver prochain? Comment est-ce que je vais pouvoir payer l'énergie dont j'ai besoin? Il va aussi poser la question des risques de virus informatiques et des grandes perturbations qui vont avoir des effets économiques et des conséquences financières. C'est-à-dire que si mon activité est attaquée par un virus, eh bien, je vais perdre de l'argent. C'est aussi ça que Uranus vient raconter dans cette position planétaire. Si vous voulez, par exemple, être dans une zone confortable, comme le taureau aime bien une certaine forme de routine, aime bien être rassuré, il y a une certaine forme de résistance au changement, eh bien, Uranus va venir balayer tout ça. Il y a quelque chose de très imprévisible sur Uranus. Il va nous aider à accélérer les étapes, c'est-à-dire que l'énergie uranienne se déplace très rapidement. Alors, ça peut, chez des personnes qui savent capter l'énergie, rendre les choses très fluides. Et parfois, au contraire, ça va créer un tel désordre chaotique que vous savez pas exactement où vous allez. Ça demande une grande confiance en soi, une grande confiance dans l'univers et une certaine forme de lâcher prise. Pour donner un exemple, j'ai eu une personne en rendez-vous privé qui était amenée à changer très régulièrement d'activité professionnelle et qui aimait ça. C'est-à-dire, elle s'ennuyait assez rapidement dans son activité professionnelle et elle posait pourtant un regard négatif sur ce qu'elle désignait être une instabilité. Tout ça parce que son entourage lui renvoyait un regard négatif. Et je lui ai expliqué que c'était uniquement une question de regard. Pourquoi, au nom de certains principes en dehors d'elle, elle devait s'ennuyer dans son activité? Est-ce qu'elle pouvait pas faire autrement?
accepter ce besoin de mobilité, de changement, de créativité qu'elle portait en elle. C'est un exemple, Uranus en taureau, qui, parce qu'il va rétrograder, va nous obliger à nous confronter à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'estime de soi et beaucoup d'amour propre. Quand vous êtes vraiment dans cette énergie-là de la confiance en nous, bah vous allez saisir tous les événements autour de vous comme une opportunité de croissance. Même lorsque le monde autour de vous est en difficulté. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est même pas de l'égocentrisme. C'est, je sais que le monde va bouger. Je sais que le monde va changer. Je sais que le monde, c'est comme de l'eau. Où je résiste. Et là, je suis en phase taureau. Sauf que Vénus, pour l'instant, elle est en lion. Donc, je peux aussi me brûler les ailes si je résiste. Je peux vivre des choses difficiles. À ce moment-là, l'univers peut m'envoyer des obstacles. Si on ne vit pas positivement ce que les planètes nous proposent, eh bien, cela va enclencher des événements dans notre vie. Alors, Uranus, en rétrograde, ça peut être difficile à comprendre. C'est une énorme énergie. Et parfois, c'est véritablement un défi d'intégrer l'énergie du taureau qui, elle, au contraire, est solide. C'est un signe fixe. C'est un signe qui n'est pas adaptable. Et donc, Uranus en taureau va changer radicalement les énergies sur la planète au niveau mondial. C'est toutes les découvertes scientifiques qui vont arriver et qui vont faire avancer les choses à une vitesse folle. C'est-à-dire que quelque part, il va y avoir des nouveaux accords mondiaux, il va y avoir des nouveaux protocoles de soins, il va y avoir des nouvelles recherches. Et ça va complètement basculer les alliances anciennes, les accords et ce qui était avant couramment admis. Uranus va venir bouleverser ce sur quoi nous pensions pouvoir compter. Ça, c'est valable surtout au niveau collectif. Au niveau personnel, je vais être invitée à revoir mon système de valeurs pour m'inscrire dans le mouvement moderne. C'est-à-dire qu'en 2024, il va y avoir énormément de changements qui arrivent. Cette rétrogradation, elle nous prépare à intégrer les énergies du Verseau. Le Verseau, c'est Uranus. Et donc, comment ça se passe pour être prêt à intégrer une nouvelle énergie? Eh ben, juste avant, il y a une forme de durcissement. C'est-à-dire, on va au bout du durcissement et le durcissement est tellement fort que ça explose. Ça, c'est quand il y a résistance. Si il y a fluidité, eh ben, il y a durcissement et ça se transforme en une autre énergie qui va couler. Ça, c'est fluidité. C'est adaptation, c'est adaptabilité. Dans les temps qui viennent, dans les mois là qui sont là, les personnes favorisées, quel que soit votre thème de naissance, ce sont les personnes adaptables. Les personnes qui ont une forme de rigidité mentale vont être mises en difficulté. Parce que les systèmes de valeurs auxquels nous pensons pouvoir nous référer et nous attacher vont nous faire défaut. On va maintenant aussi vers des systèmes financiers avec de plus en plus des monnaies numériques. Et on va voir dans cette période émerger des monnaies numériques d'État. Alors ça va poser beaucoup de problèmes, hein, notamment moraux, éthiques, parce que c'est aussi le flicage, c'est-à-dire c'est aussi le fil à la patte numérique. Les États risquent d'en profiter. Comment je vais pouvoir garder ma liberté? Parce que Uranus, ok, il vient parler d'informatique. Qui dit informatique à l'heure actuelle, malheureusement, c'est aussi en termes de contraintes, c'est aussi en termes de contrôle. Mais Uranus, c'est celui qui libère. C'est le libertaire. Donc, je vais prendre conscience que ma liberté a de la valeur. On a eu un peu tendance à l'oublier dans nos sociétés modernes. C'est-à-dire, on peut pas avoir en même temps la sécurité et la liberté. On a été beaucoup tourné sur la sécurité. Au jour d'aujourd'hui,
C'est la question de la liberté qui va venir s'inviter à nous. Est-ce que je vais accepter, dans des démocraties, d'être de plus en plus contrôlée? Et ça vient poser véritablement des soucis éthiques. C'est-à-dire que jusqu'à quel point je vais accepter de lâcher ma vie privée, mon individualité, avec l'IA qui va être au service des gouvernements. Où on peut lire toutes mes conversations, on peut avoir accès à toute ma vie privée. C'est-à-dire, quel est le floutage entre la vie extérieure, ma vie sociale, ma vie d'être qui vit dans un monde où il est normal de se conformer à certaines règles. Mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi un être qui a un jardin intérieur, qui a aussi une vie intime. Et cette vie intime ne concerne pas forcément le collectif. Alors, je ne parle pas d'une vie intime au service de prédation, au service d'actes malveillants ou illégaux. Je parle d'une simple vie intime qui est le propre de chaque individu. Alors, Uranus, il veut le changement, quel que soit le prix à payer. Dans le Verseau, il y a deux planètes. Uranus qui domine, qui a détrôné Saturne, et Saturne résiste. Saturne, il est obligé de s'adapter et de se mettre au service d'Uranus. Autant dans le Capricorne, Saturne résiste, il est solide, il est stable, c'est celui qui va créer la maison, le bâtiment, le chef. Autant en Verseau, il est différent. Le Saturne du Verseau, c'est son signe diurne, nocturne, et là, il est obligé de mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'il va amener la réflexion obligatoire sur les changements brusques de société. C'est-à-dire que les nouvelles révolutions, que ce soit dans le monde du biomédical ou le monde de l'intelligence artificielle, ne pourra pas se faire sans une réflexion de fond au niveau éthique. Eh bien, dans notre vie, c'est pareil. On va être invité à se poser les grandes questions sur notre argent, sur le système financier, comment nos dossiers de santé, notre passeport, notre identité personnelle va être transféré sur des plateformes informatiques avec l'intrusion de l'IA, dans ses bons côtés, dans ses mauvais côtés. C'est-à-dire l'IA, ça peut être très pratique, très impressionnant, mais c'est uniquement une partie. Il y a des problèmes qu'elle va maintenant soulever, comme des erreurs qu'elle peut faire. C'est-à-dire, imaginez maintenant, vous avez un dossier médical qui arrive sur une opération, le chirurgien ne vérifie pas le dossier, il est persuadé que tout est OK, et puis il va se tromper dans l'opération et la personne va décéder. C'est un exemple. C'est-à-dire, jusqu'à quel point on va déléguer notre pouvoir d'être humain, à une IA. Je lisais un article tout à l'heure, aux États-Unis, par exemple, il y a à peu près 40% des publications en ligne journalistiques qui sont rédigées par des IA. L'humain n'intervient plus. Et on est déjà dans cette rampe d'accès. On est déjà dans cette autoroute de changement dynamique, cette évolution rapide qui, quelque part, pose des questions fondamentales. C'est-à-dire que qu'en est-il de la Terre? Qu'en est-il des ressources qu'on obtient de la Terre? Qu'en est-il de cet épuisement de la Terre qui est amené aussi par le tout technologique? Est-ce qu'on va continuer comme ça dans le toujours plus? La Terre, on l'a bien vu cet été, il y a un réchauffement climatique, il y a des enjeux qui se posent, il y a des espèces qui vont disparaître, il y a des systèmes écologiques entiers, des écosystèmes entiers qui vont s'effondrer. Eh bien, tout ça, on va être invité durant cette rétrogradation, tous autant que nous sommes, à réfléchir à ça. Pourquoi? Parce que ça a des conséquences sur nos vies, mais aussi sur l'avenir de nos enfants. Alors, Uranus va bien sûr amener des nouvelles découvertes sur les ressources de notre planète.
On va découvrir des nouvelles sources d'énergie. Mais Uranus raconte aussi l'épuisement rapide de ces sources. Est-ce qu'Uranus, en rétrograde en taureau, donne l'envie d'aller dans l'espace? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a envie, il y a quelque chose qui nous pousse en avant, d'amener ce que nous sommes ailleurs. C'est ce qui a expliqué les grandes découvertes. Les grandes découvertes autour du monde, c'est très uranien. C'est « je me sens porteur d'un message ». Et je me sens porteur d'un message que j'aimerais amener dans les étoiles. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'humanité. Alors, Uranus rétrograde va poser la question de ce dont j'ai réellement besoin. Est-ce que j'ai besoin de toute cette société de consommation? Est-ce que j'ai besoin de tout ce que j'achète? Est-ce que j'ai besoin de tout? Et ça va poser la question de l'importance. L'importance de la survie, d'avoir un abri, de l'eau, de la nourriture, des vêtements. Mais au-delà de ça, de quoi j'ai réellement besoin pour créer une bonne vie? C'est-à-dire que je peux très bien, avec Uranus en Verseau rétrograde, me marginaliser. C'est pas forcément une marginalisation qui se voit, encore que. Mais c'est aussi se remettre au centre de sa vie pour vraiment réfléchir sur notre chemin de vie. Est-ce que je reste dans une ligne de statu quo qui est prévisible, qui me vient aussi de mes expériences passées, de ce que ma famille a voulu pour moi, de ce que la société me prédispose à être, ou est-ce que je vais dire « mais non, c'est pas possible, c'est pas ma vie ». Donc, on va avoir des mouvements de revendication de différents ordres qui va renforcer quelque part l'individualité, parce que Uranus, au départ, il fonctionne dans l'individualité pour après aller vers le collectif. Mais quelque part, on va s'autoriser des chemins de traverse, des chemins différents. Et c'est vraiment une invitation à nous reconnecter à ce qui est important pour nous. Uranus, il rétrograde souvent. C'est pas nouveau. C'est pas une planète c'est pas des rétrogradations qui sont rares. Bien sûr que non. Mais régulièrement, nous sommes obligés, nous sommes invités à faire le point sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes. Parce que Uranus rétrograde, il va nous connecter à notre propre vibration d'authenticité, à notre propre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes invités à avoir une certaine clarté sur ce que nous voulons et nous ne voulons pas. Et Uranus peut nous obliger à prendre des décisions qui sont quelque part des actes de foi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui est achevée, qui est finie, je pense notamment dans les couples où il y a beaucoup de friction, voire même de la maltraitance, ben c'est le moment de trancher. Lorsqu'on est sous l'emprise d'un pervers narcissique, passage d'Uranus rétrograde, ça va donner la possibilité de trancher. Parce que chez Uranus rétrograde, il y a quelque part de l'acte de foi. Mais c'est pas un acte de foi au sens religieux. C'est un acte de foi d'une part par rapport à l'univers et aussi à moi comme reflet de l'univers. Alors quelque part, Uranus rétrograde, il va donner beaucoup d'impatience. On veut que tout y aille très vite. Puisqu'on s'est décidé, on a tardé à se décider, on a été dans la procrastination, et puis d'un coup, maintenant qu'on a pris la décision, on veut aller plus vite que la machine. Et donc ça va créer un petit peu, ça peut créer une forme de friction, de la colère. Des émotions explosives. Parce que qu'est-ce qu'attend Uranus? Eh ben, il attend que vous donniez la permission de vivre votre vie en fonction de qui vous êtes vraiment. C'est une invitation aussi à creuser dans votre système de croyances. Et cette permission, elle ne peut venir que de vous-même. C'est-à-dire, l'idée, c'est de la renforcer. Et il y a des personnes qui me disent, je suis pas légitime. Qui vous légitime? Eh ben, Uranus va venir vous raconter ça. De qui vous légitime?
C'est aussi Uranus est une planète très puissante. Elle est au-delà de Saturne. Les transsaturniennes, elles sont énormes au niveau inconscient personnel. C'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure qui est rétrograde. Donc autant dire que les énergies Uranus au début de la rétrogradation vont être très puissantes. Alors, c'est aussi un moment pour les personnes qui sont dans un chemin de spiritualité, qui travaillent avec les énergies, de méditer sur le chakra sacré, pour se connecter aux énergies du taureau, aux énergies de la terre. C'est le moment aussi de se connecter, de débloquer les chakras de la gorge. Si vous avez des problèmes de thyroïde, c'est le moment de travailler sur ces zones. C'est aussi une période où vous pouvez rencontrer des opportunités. Et comment vous allez les saisir. Donc il y a vraiment des changements de vie, mais aussi un changement encore plus important à l'intérieur de nous-mêmes. Les changements de vie peuvent être drastiques, hein, quand Uranus et le Taureau sont conjoints à une planète personnelle. Donc si vous avez par exemple en Taureau une planète, que ce soit le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, eh bien attendez-vous à des changements. C'est encore plus vrai pour les premières, c'est-à-dire Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars. Là, vous allez avoir des événements qui vont se passer sur vos besoins, votre identité. Alors, si ces planètes se retrouvent entre le 19 et 23 degrés du Taureau, il y a vraiment quelque chose à changer dans votre vie. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Si c'est en face, vous avez une planète, par exemple, dans le Scorpion, eh bien, regardez ce qui va se passer, surtout étant dans le Scorpion, elle est sous l'égide d'Uranus. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose de profond qui nous est raconté. Alors vont être impactés aussi les signes fixes, c'est-à-dire Lion, Scorpion bien sûr, et puis Verseau. Alors là, dans cette rétrogradation, à ce moment-là, quand les zones de votre thème sont activées, l'univers vient vous signaler qu'un changement est imminent. Et c'est souvent une expérience intense. Justement parce que il y a une partie de vous qui a du mal à se laisser aller. Et donc, ça peut devenir hors de contrôle. Ça peut être quelque chose qui vous dépasse complètement. En taureau, on est dans les énergies de la survie. Donc, ça peut être aussi un événement qui survient, mais qui va déclencher chez vous une forme d'inquiétude profonde. Le taureau, c'est les craintes primordiales. Alors, dans cette période-là, là, je reviens à une astrologie plus collective, hein, ça peut être aussi plus d'entreprises qui ferment leurs portes, des pertes d'emplois, des divisions, des départements qui sont fermés, et puis, bien sûr, hein, des pans entiers qui vont être impactés notamment par la guerre qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que dans le taureau, il peut aller à une forme de stress profond. Il y a quelque chose qui peut même aller plus loin. Et quelque part, ça s'impose à nous. Alors, je veux pas aller trop loin dans le côté sombre parce que en plus, ça ne correspond pas à tout le monde. C'est-à-dire que là, pour faire vraiment ce genre de d'analyse, tout va dépendre du thème de naissance. Donc, quelque part, avec Uranus, vous êtes invité à reprendre votre pouvoir. Vous êtes invité à vous mettre au centre de l'énergie pour vous adapter à ce qui vient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on est invité par Uranus à se retrouver au centre. C'est-à-dire que même si vous vous retrouvez pendant quelques instants, pendant quelques semaines, dans un mode de survie, eh bien, Uranus rétrograde va vous permettre d'initialiser les problèmes, de trouver des solutions. Alors, vous pouvez avoir besoin de plus de temps pour comprendre ce qui se passe, pour mettre en place des solutions, hein, pour réfléchir ce qui est le mieux pour vous, pour rassembler votre courage, pour vous faire confiance, pour recevoir l'information. Mais c'est aussi le moment où nous faisons de grands changements dans notre vie parce que nous n'avons pas le choix.
Et lorsqu'on se retourne des années plus tard sur nos vies, où il y a eu des grands changements, des grands bouleversements, notamment portés par Uranus, on se dit, voilà, je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu tel ou tel cap. Et en fait, on est, à un moment donné, mis face à sa mission et l'essence même de sa vie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous pousse au-delà de nos retranchements. On n'est même pas poussé dans nos retranchements, on est poussé au-delà. Uranus, il va vous dire quoi? Si tu as un rêve, vis-le. Tu as envie de voler haut, vole encore plus haut. Tu veux aller vite, va encore plus vite. Il y a une autorisation. C'est-à-dire que quelque part, vous savez, à l'intérieur de vous, quand une situation est dépassée. Mais pour X, Y, Z raisons, et c'est bien l'énergie taureau qui vient nous raconter ça, nous restons dans cette énergie-là. Pourquoi? Bah d'abord, il y a une résistance au changement de l'humain. Ça nous rassure. On est programmé comme ça pour la majorité d'entre nous. Et puis, parce que changer demande de l'énergie. Et puis, parce que des fois, il y a d'autres personnes qui sont concernées. Puis, parce que des fois, il y a des conséquences financières. Et bien, Uranus, là, il vient tout enlever. Il vient nous mettre à nu. C'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'on, Uranus, c'est une planète avec laquelle on ne peut pas tricher. Qui es-tu? Oh, c'est saisissant. Quand on a une activation par Uranus, c'est saisissant. On a quelque part une obligation à rentrer dans son authenticité. Là, c'est ce qu'il vient raconter. Il n'y a plus de correspondance de fréquence. C'est-à-dire que si la situation que je vis, ben mon taux vibratoire, par exemple, il a trop monté, je suis plus alignée sur ce que je fais, voilà, vous avez compris ce qui va se passer. Hein. Alors bien sûr, au moment où on les vit, c'est pas facile. Hein. Mais quelque part, Uranus vient vous raconter que la vie, c'est aussi s'inscrire dans quelque chose de mouvant, dans quelque chose que je ne maîtrise pas complètement, et dans quelque chose qui peut m'amener une surprise à chaque instant. Uranus, c'est un peu le joueur d'échecs. Moi, je peux jouer mon jeu, mais je peux pas jouer le jeu de l'autre. Alors, bien sûr, ça génère du stress. Ça peut créer des burn-out. Ça peut créer, dans certains cas, des passages où on va même se retirer du monde, vivre une forme de phobie sociale, une déprime importante. Ça va venir de toute façon perturber nos facultés humaines. C'est-à-dire, on a tellement l'impression que les choses sont hors de contrôle, où on suit en se disant c'est hors de contrôle, mais j'ai en moi la capacité de suivre, parce que quelque part nous sommes programmés pour ça. Et à ce moment-là, je vais prendre un ascenseur de lumière énorme. C'est ascensionnel. Les personnes qui parlent de l'ascension, ça, c'est une énorme ascension énergétique. C'est-à-dire que si j'ai un nouveau projet, que je mets en place les changements uraniens et que je m'inscris dans cette logique, ouf, ça part. Imaginez maintenant, vous avez un projet et puis vous vous sentez pas légitime dans ce projet. Parce que vous dites non, mais j'ai pas les diplômes qu'il faut, j'ai pas les labellisations qu'il faut et tout. Eh bien, là, vous allez rencontrer les personnes qu'il va falloir, qui vont vous aligner avec ce que vous avez envie de faire. Ça peut être des mentors, ça peut être des guides. Vous allez trouver des ouvrages qui vont vous amener à une réflexion profonde et surtout à vous faire confiance. Si vous ne savez pas où vous diriger, si vous êtes complètement perdu, à un moment donné, l'énergie uranienne va vous retrouver. Il y a quelque chose de « je suis perdu dans ce labyrinthe », mais cet Uranus rétrograde va rentrer en résonance avec votre Uranus natal à l'endroit où il se trouve. Et donc, il va venir raconter l'histoire de votre Uranus natal pour activer les choses que vous avez à faire là où se trouve votre Uranus natal en fonction de ses aspects, en fonction de la maison où il se trouve. Et là, vous allez avoir un certain nombre d'indications et un certain nombre de réponses. Alors, bien sûr, Uranus, il vous invite à vous connecter sur vos propres énergies
à vous individualiser, mais aussi à être dans l'individuation. C'est pas forcément de l'individualisme. C'est-à-dire qu'il va te dire, si tu ne peux pas trouver de travail à l'extérieur de toi, eh bien, tu vas te le créer toi-même. Mais pour ça, il faut que tu rentres dans la confiance en toi. Uranus, il apporte des questions, il apporte beaucoup de réponses. Uranus régit en partie l'astrologie, la numérologie, le moment idéal pour prendre une décision. C'est-à-dire, c'est un éclairage. C'est un éclairage qui est profond. C'est un éclairage qui vient, j'ai envie de dire, après Saturne. Je m'explique, parce que c'est opaque. Il vient quand on est déjà travaillé sur soi et quand on a déjà travaillé sur son thème. Avant, Uranus se déclenche beaucoup au niveau des événements. Après, il amène des changements intérieurs. Et ça devient une aide, un assistant pour réussir ses projets, même si vous avez des aspects contraires ou de tension avec Uranus. Il y a quelque part un code. On parle beaucoup de codes, il y a des codes d'activation. C'est un code d'activation. Surtout quand il redevient rétrograde. Hein. Alors, je vais arrêter de le dire parce qu'on m'a dit dans un commentaire que je le disais un petit peu trop. Bah, c'est vrai que quand on parle d'une planète, on a tendance un petit peu à la rossiter. On va planter la graine. Quelque chose de nouveau qui nous... Quelque chose d'un voyage qu'on va faire. Si on croit en l'astrologie, si on pense que ça marche, entre guillemets, c'est aussi pour donner une question de sens. C'est-à-dire que j'ai des choses à faire. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je peux planter? Le taureau, on est quand même dans le commencement des choses. Il y a quelque chose de nouveau qui prend racine. Au bélier, c'est vraiment l'enfant qui naît. Mais le cri, c'est taureau. Donc, quelque part, le bélier, c'est vraiment le début de la chose. Mais il y a quelque chose dans le taureau qui va pouvoir se développer. Ça veut dire de la créativité, de l'inspiration et une certaine forme de clarté. En tant qu'octave supérieure de Mercure, dans cette rétrogradation, il va y avoir une élévation de notre fréquence de connaissance. Ça peut être de la clairvoyance. Ça peut être de l'intuition. Mais c'est aussi une connaissance immédiate de ce qui est. Ça veut dire que lorsqu'il y a des situations de mensonges qui vont nous être présentées, notamment dans les médias, nous allons le voir. S'il y a de la corruption, ça va apparaître. C'est-à-dire que Uranus va vous montrer quelque chose. Il va ramener à l'évidence quelque chose de secret. C'est comme si des choses vont être dites. Alors, au niveau des explorations planétaires, je pense qu'il se pourrait qu'il y ait des informations de présence autre, de bactéries dans des systèmes stellaires, voire plus loin que ça. Il y a, par Uranus en taureau, la question de la vie sur Terre qui se pose, mais aussi la question de la vie dans l'univers. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement un être terrestre, je suis aussi un être qui est connecté à l'univers. C'est ça que l'astrologie vient nous raconter. Et donc, il y a une dynamique qui est propre. Et si Uranus rentre en rétrogradation, eh bien, j'ai capacité de manière intuitive à peut-être percevoir à l'intérieur de moi quelque chose qui est très éloigné, à des milliers d'années de lumière, par exemple, de la Terre. Là, on rentre dans une compréhension plus spirituelle, plus subtile. Sur cette énergie, puisqu'on reste hein, sur cette énergie, ça va donner, par exemple, au plan du soin, tous les soins énergétiques. Alors, ça peut être l'acupuncture, le shiatsu, le reiki, le yoga, le tai chi, tous le péricarde, parce que c'est l'énergie du corps.
C'est-à-dire, votre corps, c'est une pile énergétique. Il y a du plus, il y a du moins. Et c'est parce qu'il y a le plus et le moins que nous dégageons de l'énergie. C'est tout notre système neuromusculaire et au niveau cognitif. Hein. Eh bien, ça aussi, ça va jouer là-dessus. Ça veut dire que Uranus rétrograde, soit on va pouvoir avoir des troubles cognitifs, avoir des pertes de mémoire, avoir des oublis soudains, soit on peut avoir aussi des traits de génie. On peut avoir soudain une forme d'aptitude qui émerge de nulle part. C'est assez surprenant de regarder ce qui va se passer pour vous dans votre vie et dans ces mois qui viennent. Alors, pour finir un petit peu cette vidéo assez longue, restez ouverts, restez à l'écoute, regardez la volatilité financière qui va arriver. Il peut y avoir des grosses tensions au niveau financier, au niveau bancaire, au niveau de la monnaie. Je pense pas forcément à l'euro, mais certains pays comme les États-Unis, il pourrait y avoir en effet des faillites bancaires. Hein. Stabilisez vos ressources, prévoyez un petit peu d'avoir un petit bas de laine, ce dont vous pourriez avoir besoin. Regardez aussi les grandes fluctuations qui vont arriver, regardez ce qui va se passer au niveau des enjeux énergétiques et comment nos gouvernements vont anticiper, notamment l'hiver prochain, avec le manque d'électricité, avec les problèmes de gaz, les problèmes d'approvisionnement en pétrole et bien sûr cette inflation qui est toujours importante en Europe et dans un pays comme la France. J'espère que cette vidéo sur Uranus rétrograde vous aura intéressé. C'est le moment pour vous informer, pour aller écouter des journalistes indépendants, notamment sur YouTube, écouter un petit peu d'autres approches. Qu'est-ce que la vérité ? Ne rentrez pas dans une forme de parano, de peur, d'angoisse. C'est pas le but. Le but vraiment, c'est de regarder le monde tel qu'il est, d'y trouver une place et d'être heureux, même si la période est un petit peu compliquée. Hein. C'est vrai que l'astrologie, c'est ce qui nous aide à aller de l'avant en nous rassurant, en nous donnant des pistes de réflexion, en développant notre intuition, notre spiritualité, parce que en fait, c'est la manière dont nous voyons le monde, dont nous inscrivons dedans, qui change quelque part notre monde à nous. C'est-à-dire, il y a le monde en général, mais il y a aussi mon monde et ma capacité à l'intérieur de moi à faire changer le monde. Et Uranus, il vient faire bouger les choses. Il vient attirer notre attention sur ce que nous devons changer à l'intérieur de nous et peut-être aussi ce que nous devons changer au niveau collectif. Est-ce que ma vérité, c'est toutes les vérités? Ou est-ce que c'est juste une partie? C'est le moment vraiment de célébrer son propre pouvoir, d'honorer nos différences, d'honorer quelque part le fait que nous soyons tous enfants de la Terre et du monde. Parce que c'est aussi ça, le Verseau. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes une humanité. Et dans cette période où des grandes ruptures, des grandes fractures ont eu lieu, eh bien, c'est peut-être le moment de retisser cette idée que nous avons plus de points qui nous rapprochent que de points qui nous différencient les uns des autres. Merci pour votre attention. Je vous remercie de liker, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission.